Les amis, je vous présente la Corse. Voilà. Incroyable, hein? Salut, salut. Alors, il n'y a pas si longtemps, je suis parti en Corse, en famille. Et comme je voulais vous partager un petit peu de ce voyage, je vous ai fait un petit résumé en quatre parties. Je vous présente donc la Corse en rapide. Yo! Premier jour, on visite un petit village typique et j'ai déjà perdu. Putain, fallait que je parle quand il y a la cloche qui sonne. C'est bon? Ouais, j'ai déjà perdu toute ma famille. Je suis resté un peu trop longtemps dans l'église et ils sont partis sans moi du coup. Je pense qu'ils en avaient marre d'attendre que je fasse des vidéos, tout ça. Bref, bah on va visiter ensemble, du coup. Allez. Les amis, c'est tout à fait incroyable. Regardez. Je viens de trouver un urbex. Et en réalité, en Corse, il y a plein d'urbex. Il y a plein d'endroits abandonnés comme ça. Darkside, light this bitch up. Par contre, faut dire une chose, c'est qu'ici ils sont vraiment dangereux, quoi. T'as pas envie d'essayer, hein? J'ai marché dehors, regarde. Regarde. Tu vois comme t'as sali tes belles pompes? Faut que tu quittes ça. Incroyable ça. Et voilà les amis, c'est la fin de cet urbex. On se retrouvera prochainement pour un nouvel épisode d'Urbex One, tout à fait incroyable et magique. Certainement en compagnie mon nouvel trop. Assistant. J'aime pas trop. Désolé Jason, je t'ai remplacé. C'est lui mon nouvel assistant maintenant. Chef. Désolé Jason. Alors là, je retiens votre attention sur ce que vous allez voir à l'image juste après. Nous venons de croiser une Golf 7 sauvage dans son environnement naturel. Ces images sont exceptionnelles. Je vous laisse profiter du spectacle. Oh mon gros, t'es bien là? T'es au frais? Là, ça c'est ton arbre. Oh les frères, je l'avais pas vu, il y en a un qui me renifle le cul depuis tout à l'heure. Ça va, gars? En fait, tu bouges pas, tu les laisses venir à toi, eux. Tu bouges pas, comme si t'étais une statue. Tu vis ta meilleure vie, là? Eh, c'est ça, tire-toi.